c'est encore moi. Donc voilà, c'est la vidéo pour faire la classe inventée. Aujourd'hui, on rajoute un nouvel élève dans notre classe. C'est une petite fille. Voilà, je vous décris comment elle est et ensuite vous pourrez commencer par la dessiner dans votre petit livre, de votre petit cahier, pardon, le cahier de la classe inventée. Prenez une nouvelle page et puis vous me dessinez cette nouvelle élève. Donc c'est une petite fille qui a les cheveux longs et châtains. Châtains, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire marron. Elle a les yeux noirs. Elle porte presque toujours une jupe avec des collants. C'est ce qu'elle aime. Elle aime porter des jupes avec des collants. Et surtout, c'est qu'elle aime avoir beaucoup de couleurs sur ses habits. Elle aime avoir plein de couleurs différentes sur ses habits. Ses chaussures préférées, ce sont celles qui sont rouges. Et elle aime les chats. Elle adore les chats. Et elle veut devenir vétérinaire quand elle sera grande. Voilà, donc je vous redis la description et puis vous allez dessiner cette petite fille. Donc, c'est une petite fille qui a des cheveux longs et châtains, marron. Elle a les yeux noirs. Elle porte que des jupes avec des collants. Elle aime les habits avec beaucoup de couleurs. Et ses chaussures préférées sont celles qui sont rouges. Et elle aime les chats. Elle adore les chats. Et elle veut devenir vétérinaire. Voilà, donc vous essayez de me dessiner le plus proche possible de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on doit la reconnaître, hein, je vous rappelle. J'ai vu beaucoup de dessins, j'en profite, beaucoup de dessins qui me sont envoyés par photo, où j'ai vu énormément de progrès au niveau des dessins. Merci aux parents qui ont donné des petits coups de main aux enfants, parce que je trouve que les dessins ont bien évolué, et qu'on a des vrais dessins, voilà, avec plein de détails, et c'est très intéressant. J'ai hâte de voir ça à l'école, et pouvoir choisir les dessins pour afficher dans la classe. Voilà, donc je vous fais une autre vidéo pour vous faire découvrir le nom et puis ensuite une troisième vidéo pour corriger l'écriture du prénom. Allez, c'est à vous crayons.